monter, monter, ôter, ôter. Yahweh, Yahweh. Kappa, Kappa. À lui elle est, à lui elle est. On vient de s'ouvrir le discours de Kassori tout à l'heure. Comme Alpha Condé a peur, il ne peut plus parler là, quoi. Peut-être qu'il est même malade, il est couché, il est gravement malade. Il est gravement malade. Donc c'est Kassori qui doit faire le sale boulot à sa place. Ote ma soso réseau, on va développer. Ote soso réseau, ou 700 libres afrique, en 2 minutes. Oh, marandegedine. En 2 minutes, ou 700 libres, on a fait. On va la comprendre quoi. Et puis, inuté à Itaou. Inuté à Itaou. Tu montes, tu partages. Tu montes, tu partages. Tu montes, tu partages. Partagez la parole, n'a qu'à partir là où il doit partir. Sendite, comme il fait la halde, yao, quand on me doit yaoude, à lui a partagé, nyokuma m'infola, wa wadia. Voilà, très bien. Wote, 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 wote. A Gamoulou, 800 lits en 3 minutes. Wote ma frère. Je suis pressé. Je veux parler. Je m'en fous des maudits blogueurs. Mais cette fois-ci, c'est Kassori. Bonsoir tout le monde. Ou bonjour. Ou bonne soirée. Ou bonne nuit. À ceux qui sont vers l'ouest. Et d'abord, je vais commencer cette vidéo à dire à Selo Dalin. Kassori, ce n'est pas ton ami. Kassori, ce n'est pas ton camarade. Kassori, ce n'est pas quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui veut te détruire. Kassori, tu as de l'estime pour lui. Tu as failli avoir des problèmes avec ton parti à cause de Kassori. Parce que tu as fait trop de concessions pour lui. Alpha Condé savait qu'il y a un lien qui te lie avec Kassori. C'est pourquoi il a nommé Kassori. Pour qu'il puisse te détruire. Tu as fait des concessions pour lui. Mais Kassori tient toujours à te détruire. Mais, en tout cas, nous voulons l'alternance. L'alternance, le choix est tombé sur toi. Kassori veut ta mort. Je t'explique tout à l'heure. Quand Kassori est nouvellement venu, pour d'abord t'étouffer, pour te. Fanta Jamil, pour t'étouffer complètement. D'abord, il a eu à dire qu'il va mettre des PA sur l'axe. Il a mis des PA. Il a tué toute confrontation. Il t'a conseillé de ne pas marcher. Comme c'est ton ami, tu as conseillé. Tu as perdu en popularité en ce moment. Ça a régressé. Makanera n'a adoré rien à manifester. Makanera t'a donné certaines stratégies. Mais à cause de Kassori, tu as laissé tomber. Tu dis non. Sûrement, c'est un homme de parole. Il va respecter ce qu'il doit faire. Il t'a fait des promesses qu'il n'a jamais tenues. Donc, tu as failli perdre ta popularité à cause de lui. Ça, c'est un. Prenons tout ce qui est très, très récent là. Ce qui est maintenant très, très récent. Tu as été attaqué à Tokounou. Si ce n'était pas ta sagesse, la guerre, c'est là-bas, ça allait commencer. Les malins qui allaient tuer les peuls au Mandeng, les peuls allaient tuer les malinqués au Fouta. Mais à cause de ta sagesse, tu as eu la sagesse de reculer. Tu es parti. Kassori en ce moment se trouvait à 30 km de toi. Il a appris que tu as été attaqué. Si c'était un homme de paix, si c'était ton ami, lui-même il allait se déplacer, partir combattir, ou bien t'appeler ou faire une allocution, ou bien quand il tenait son discours à Cancan, faire état de ça, laisser celui-là, c'est un Guinéen, c'est un homme politique. Il n'a jamais fait, il n'a même pas fait cas. Il t'a ignoré comme Bandi Guinée. Il t'a ignoré totalement. A mis calculé. Il a fait pour Abenam parce qu'il était content de ce qui était arrivé à celui-là. Il était très content, il était à l'aise. Il était content, il a tenu son discours. Il est parti. Ça prouve à suffisance que ce monsieur ne t'aime pas.
Il ne considère pas votre amitié. Il pouvait mettre votre amitié en haut de ça, faire cas de ça. Et étant premier ministre même, condamner ces faits-là, il ne l'a jamais fait. Nous, on a cru que Kassori est pris en otage par Alpha Condé. Kassori n'est pas pris en otage. Hein? Kassori n'est pas pris en otage par Alpha Condé. Kassori, plutôt, est l'artisan de tout ce qui se passe là. L'affaire du troisième mandat, Kassori est l'artisan du troisième mandat. C'est lui. Et il veut essayer encore cette affaire de PA militarisée pour empêcher le mouvement, mais il ne connaît pas la détermination des Guinéens maintenant. Il ne sait même pas ce qui se passe au-delà de la Guinée. Quoi. Il ne sait pas ce qui, les tractations qui sont en place pour faire partir leur gouvernement. Là. Ce n'est pas Alpha Condé, wallah, c'est Kassori. Il vient de tenir un discours où il parle de démocratie. Mais ce qu'il oublie, Alpha Condé d'abord, si nous parlons de démocratie, Alpha Condé ne devait pas être candidat. C'est un candidat par infraction, c'est une insulte à la démocratie. C'est ce que vous avez orchestré en Guinée. Ça ne peut pas continuer. Ça ne pourra pas continuer. Il faudrait qu'on essaie de mettre fin à ça. Il faudrait qu'on essaie de mettre fin à ça. Voilà. Et Kassori, ton discours d'aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui devait le faire. Il ne l'a pas fait. Nous sentons que ton plan a échoué. Le plan ne fonctionne plus. Ça ne prend plus. Omar Gao. Mais tout ce que nous savons, demain, que tout le monde sorte, que tous ceux qui peuvent aller à Dixine, allez-y à Dixine. Sachez ces militaires devant la maison de Seloudalen serait un premier pas vers la victoire. Ça, c'est les militaires qui sont postés devant Seloudalen qui maintiennent un monsieur dans sa maison parce qu'ils ne veulent pas qu'il sorte. Si vous êtes conscient de vous-même, quoi, c'est vous qui gérez le pays là. Pourquoi vous envoyez un camp militaire devant la maison de Seloudalen? Sachez ces militaires de là-bas là. C'est la première victoire. Ensuite, c'est dirigé vers ses Routouréa que Alpha Condé a Mamba. Son contrat, c'est fini. Il n'a plus de contrat avec les Guinéens. Et je vais vous dire une chose. Wallahi, Alpha Condé, il est grillé sur le plan international. Un président 72 ans, tu es élu, il n'y a même pas de félicitations. Égard à celui qui va le féliciter. Personne ne le félicitera. Un président 72 heures, il n'y a même pas une reconnaissance sur le plan international. C'est quel genre de président ça? Un président Jarja, Amouno Marabadi. Rendez-nous notre démocratie. Demain, l'internet est rétabli. Faites des vidéos. Dites aux gens, ceux qui peuvent aller, c'est Seloudalen demain. Rendez-vous là-bas. Si les militaires la quittent là-bas demain, c'est qu'on atteint l'objectif. Le combat, la victoire est en train de venir. Demain, la maison de Seloudalen doit être libérée. Parce qu'ils n'ont aucune raison d'être là-bas. Deuxièmement, FNDC, les leaders de FNDC, ils ont chargé des pick-up et des FMF, réseau. Je ne sais pas comment dire ça. Eux-mêmes, ils le disent, même s'ils sont pris, la révolution doit continuer. Si vous êtes sur l'axe, si vous êtes sur l'autoroute, arrêtez ces bêtises-là à dire c'est le combat des peuples, c'est le combat ethnique. Ça, ce n'est pas un combat ethnique, c'est loin d'en être. J'ai écouté la vidéo d'un ignorant aussi qui insulte les sous-sous. Mais j'ai vu que beaucoup de personnes ont fait des vidéos, mais moi-même, je ferai des vidéos pour te mettre à ta place. Ce n'est pas tes camarades. Tout le monde soit s'élevé pour Alpha Condé Tangasiga. On va voir une autre personne. C'est Loudalen, Alpha. C'est Loudalen. Il se comporte comme Alpha Condé. Attends, Kérignon Mbirimbe. C'est pas affaire d'ethnie, ça.
C'est affaire de changement de régime. Le régime là, il a montré ses limites. On doit finir avec ce régime lundi, demain. Wossa, Womalabou. Leur victoire, c'est la dernière fête pour eux. Omar Gawa fête déjà, c'est fini. Demain, c'est la reprise maintenant. Tout le monde, c'est Selou Dalein. Il faut libérer la maison de Selou Dalein demain. Il faut libérer la maison. Et Albert Damantan, sois informé que tes mensonges là, c'est déjà mis en nu. Nous sommes maintenant dans un monde révolutionné par la média, par l'internet, par l'informatique. Tout ce qui se passe à Conakry, à Birimfilmeri, par le biais des satellites. Votre affaire qui a manifesté Neboroubouma à Birimfilmeri, tout est vu. Tout est vu. Tout le monde connaît la grandeur des États-Unis. Tout le monde connaît ça. C'est pourquoi les États-Unis demandent à ce que vous publiez les vrais résultats. Ce que le peuple a dit de le publier. On ne le dit pas si vous étiez sur la vérité. On ne le dit pas si c'était vrai. Ce que vous avez publié. On vous demande de respecter la voix du peuple, de publier les vrais résultats. Yanda Lebe, épargnez notre pays de vos tractations machiavéliques. Ça ne peut pas marcher. On n'est plus à l'étape. Et soyez rassurés, ce que les Guinéens ont fait, c'est une première dans le monde entier. Le combat se mène à l'international, dans les ambassades. Toutes les ambassades de la Guinée sont attaquées par des Guinéens. C'est une première dans le monde. Parce que le peuple en a marre, le peuple ne veut plus de ses pouvoirs. Ça, ça a montré aux dirigeants du monde entier qu'on ne veut plus de ce pouvoir. Ça, c'est un point pour la victoire. Ça, c'est un point vers la victoire. Ça, c'est un point pour notre combat. Sur le plan international, on a vu ce qu'on a vu. Ça a donné une leçon. Ça a attiré l'attention des décideurs à l'international. Ils ont compris que le peuple n'est pas pour ce pouvoir. Parce qu'une personne, deux personnes peuvent se lever. Jusqu'à ce que les autorités soient débordées des Guinéens. Et ça continue toujours. Le combat à l'international, ça on l'a déjà gagné. On a gagné l'attention des dirigeants. Mais à l'interne maintenant, levez-vous. Allez libérer la maison de Selou Dalein. Allez libérer la maison de Selou Dalein. Dixine demain, que tout le monde parte là-bas. Nara Foromirira. Policiers, 10 000 personnes tout d'un et Renyat Kilman Isga. Eux-mêmes, ils se lèveront Isga. Nyamanam Bimbiama Selou Foranaki campagne. Demain, les policiers là, on dit souvent quoi, il y a violence policière, ils feront rien. Ils vont se lever. Peut-être nickel mana, ils vont se dire non, on va enlever Alpha Condé. Et ce qu'on a bana directement. Donc il y a une mobilisation sans précédent. Demain, c'est Selou Dalein. C'est ce qui va mettre fin à ces violences policières là. Demain. Si Selou Dalein, sa maison est dégazée, ces microbes-là ont quitté là-bas, ces bandits-là ont quitté devant la maison de Selou Dalein, parce que rien ne les oblige à être ici. Autant ministre, la Côte d'Ivoire, ça a commencé comme ça. Bagua a mis son gouvernement, il a commencé à fonctionner, mais à l'international, son sort était déjà scellé. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Son sort était scellé. Maintenant, là où nous parlons là, le sort de Alpha Condé est scellé. Benjamin, le sort de Alpha Condé est scellé. C'est fini. Voilà, tu m'as dit. Une belle loi, il y a eu un problème. Il y a eu un discours. Toi, tu vas poursuivre qui? C'est vous qui allez être poursuivi. Vous n'allez pas échapper cette fois-ci. Au cobri, il y a un bel mouyari. Il y a un rapatrié à la Guinée. Qui l'a raté, quoi, l'a raté. Un pouvoir qui passe tout son temps à promettre. Non, on s'en fout de ça. Demain, c'est Selou Dalein. Demain, tout le monde, c'est Selou Dalein. Laissez les autres contrées là. Laissez partout. Demain, que tout le monde aille à Dixine. Demain, que tout le monde aille là-bas.
kanyamada nikayanira wallahi un camp militaire mais imuno ma nyamara tidi na ibinna se lorambira tous qui étaient derrière ce loudalem tous demain à Dixin tout le monde rendez-vous devant la maison de ce loudalem on va le libérer c'est pas un prisonnier c'est pas lui qui doit être mis en prison c'est pas ce loudalem qui doit être emprisonné plutôt c'est d'encercler la maison la serre autour et alko alpha qu'on a dit c'est d'encercler la maison des ministres là alko n'a rien dit c'est ce que vous devez faire c'est pas ce loudalem. Ensuite, l'Assemblée nationale, là. On va mettre notre Assemblée nationale maintenant là où les partis qui méritent vont se retrouver. Mais regardez une Assemblée nationale. Docteur Ibrahima Diallo, même compétition intersectaire, il ne peut pas gagner. Intersectaire, Marco Misefa, un secteur, ben quoi. Intercoin, quoi. Même ça, lui, il ne peut pas gagner. Et là, tout le monde est dans l'Assemblée nationale. Il raconte des sottises. Partout où il passe, il raconte des sottises. Il raconte des bêtises. Mais vous foutez le mien, Mago. Vous foutez le mien, la Guinée. Hein? L'Assemblée nationale, d'un député, un député, les déshonorables, là, ils seront tous pris. Ils vont tout rembourser. Parce que le peuple ne les a pas choisis. Alpha Condé est nommé. Vous serez tous. Vous allez rembourser tout. Kalkopet Kerena Ramoulouma. Des faux députés comme ça là. Autant vous représentez le peuple, vous représentez le peuple. On a tous vu, moi je suis à Conakry, une élection d'Angiri. Il n'y a pas eu élection. Il y a pas. C'était l'intifada à Conakry ces jours. Il n'y a pas eu élection. Alpha Condé de Ramiré Lissébé. Vous ne représentez pas le peuple. Ibrahima Diallo, il ne peut pas gagner. Parce que lui, il ne peut pas être un honorable. Il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Kassori, c'est l'oudel Mbouri Mouné. C'est l'oudel, si tu considères Kassori comme ton ami, ce n'est pas ton ami. Hein? C'est pas ton ami. Hein? Kassori est plus que ton ennemi. Sincèrement, j'ai cru que Kassori, il est obligé. Ça fait, il ne peut rien. Quoi. Kassori agit conséquemment. C'est lui qui a l'argent de tous, l'artisan de tout ce qui se passe là. C'est Kassori, c'est pas quelqu'un d'autre. Moi j'ai cru qu'il était neutre, qu'il voulait même quitter. Donc il a voulu être président quoi. Kassori est responsable de tout ce qui se passe là. C'est lui là, Kassori n'a pas de mourir là. A fait la moube, moi minira fait kérina. Moi minaï. Parce que c'est pas ton ami. Faut commencer à avoir des discours durs envers Kassori. Faut avoir des discours durs envers lui. Kassori n'est pas bien. Forcaria qui a un nec. La plus mauvaise route de la Guinée, c'est vers Forcaria. Un coin qui est à 125 km de Conakry. Mais tu peux faire plus de 6 heures in Anaroma. Quelque chose que tu peux faire à 1h30 minutes. Tu peux faire 6 heures Conakry-Forcaria. À Forcaria, il n'y a même pas de maison des jeunes là-bas. Il n'a rien fait là-bas. Forcaria qui est du pouvoir, ça va. Ça va, le pouvoir là. Malik Sanko et Naneki, il donne des milliards. La concession de son père en ville là-bas là. Quand tu n'es pas fou, sur le Robang. Malik Sanko, le directeur de la caisse de sécurité sociale. Et comme il a bin Mouyama. Et comme il a bin Foutoufoutouma. Dans la maison de son père, Fosion Doral Kouyera Sanaku. Des gens qui n'ont pas pitié de leur famille, c'est eux qui vont avoir pitié du peuple de Guinée. Non, réveillons-nous. C'est lui, Kassori n'est pas ton ami. Kassori a dit, Moi, j'étais toujours contre. Mais c'est Kassori l'artisan de tout ça. L'artisan de tout ça, c'est Kassori. Si vous ne le savez pas, alors soyez sûr maintenant. C'est l'artisan de tout ce qui se passe. La Guinée qui est torrent bien toriki, c'est Kassori. Torrent bien à la Guinée fariki, c'est Kassori. Les deux premiers ministres là, c'est Kassori. Attendez, ne bien choisir. C'est attendez Alpha Ratima, attendez Agoroma. Alpha fini bébé dira. Alpha fini bébé dira. C'est Kassori, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc si on doit combattre quelqu'un, c'est Kassori qu'il faut combattre. Alpha Tayan, Amara a compris, il est foutu. Parce qu'il connaît. À Colomb, il connaît comment la communauté internationale fonctionne.
Il sait comment il est venu au pouvoir. C'est la même méthode qu'on utilise pour l'enlever. C'est la même méthode qu'on utilise pour l'enlever. Donc lui, il sait déjà que c'est cuit pour lui. Donc il ne parle plus. Il ne parle plus. Amar Dor, il sait que c'est fini. Son sort est scellé. Amar Yonner et Alpha fait Amar Lang. C'est fini. Donc, on va nous arrêter ici. L'internet est rétabli en Guinée. Tina! Tina! Il faudrait qu'on libère la Guinée. Il faudrait qu'on libère la Guinée. Tina! Il faut que la Guinée soit libre. Il faut que les prisonniers politiques qui sont détenus avec Alpha Condé, il faut qu'ils soient libres demain. Et reste qu'il y a famille. Et place Mounagé, l'Iramoura. Ce n'est pas leur place là-bas. Souleymane Condé, sa place, ce n'est pas en prison. Fonike Mangé, sa place, pas en prison. Et tous les autres, leur place, pas en prison. C'est près de leur famille et près du peuple de Guinée. N'aurait la place, n'aurait peuple Mouyama. Les gens de Boké là, Kola Bungi, c'est votre dernière chance. Okeli, Okati, Oseyouma, Okama, c'est Alpha Mengema Arasono. Kola Bungi. Parce qu'il a transformé Boké en sa sauce. Alak Bena Nanara. Tout ce qui sort là-bas, la Guinée, Kema, Thomas, ni rien. Kola Bunike. Bokeke, vous avez massivement voté pour ce Loudalé. Mais on a détourné votre voix. Sortez et réclamez tout ça. C'est tout. Donc, Alpha Mouna est terrible. Alors, alors, il y a un mot yalangri. Actuellement, il ne se sent pas bien. On te déclare un président élu. 72 heures, tu n'as pas dit un mot. 72 heures, personne ne t'a félicité. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. 72 heures, il ne dit rien. 72 heures, il ne remercie pas le peuple de Guinée. 72 heures, personne ne le félicite. Et à l'international, tout le monde le condamne. Il n'a pas droit à aller à ces élections. Tous ceux qui supportent Alpha Condé sont des idiots. Tous ceux qui supportent Alpha Condé sont des idiots pour l'affaire du troisième mandat. Ce sont des idiots. Ils n'ont rien dans leur tête. C'est moi qui l'ai dit. J'assume. Au vidéo est partagé. Demain, la destination, c'est Saint-Loudalin. Il faut enlever les policiers, les militaires là-bas. Il faut qu'ils quittent. Alpha Condé, on va faire Mengéane, Agnès Eritongo. Il peut prendre ça aujourd'hui, Bélé Avratine, Amar Fara Mengéa. Agnès Eri, Alpha Wafala, Agnès Tongo. Nathan, Ali Mala Fara Mengéane, mais les honneurs qui doivent être rendus au président, il a perdu ça. C'est fini pour lui. Quand Alpha Farane, la Guinée, qui est Mouama et Nyalakmane, Farine Antima, il est bien. Amar Mire Toro. Un président déclaré président 72 heures, il ne peut même pas sortir à Rahouimassé. Amounoma Wende. Hein? Allocution, journal et à ta minima. Et pourtant, la télévision nationale, c'est pour lui, c'est sa chose. Là, il est bien. Je suis malade. Come on.